Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est moi qui fais la vidéo apparemment. Maxime arrête des trucs de ma gueule. Alors c'est pas très beau, hein, il est nuageux. Il y a un peu de vent, c'est pas très agréable. Raconte-toi un petit peu. Aujourd'hui, au programme, on va aller voir la cathédrale de Myeongdong. Ensuite on ira au Namsangol Hanok Village. Et peut-être qu'on ira aussi à une ancienne université qui est la Korea Université Koryo Daekyo. Super rigole, top 3 de la Corée. Mais d'abord, on va aller chercher à manger. Des voitures et encore des voitures. Nous ne pourrons jamais traverser. Là, ces trucs-là, c'est à 3 minutes de la guest house. Que des restaurants! C'est bon! Alors, pour les fans de K-pop, hein, il y a des petits magasins comme ça partout. Des petits magasins, c'était quoi? Un magasin de lunettes? C'était le genre de truc que Maxime vous aurait aimé, n'est-ce pas? Où ça? Ah oui! Encore des lunettes, partout des lunettes! Bref, moi je vois très bien, donc pas ça. Bon, en fait, on est dans la rue où on était hier, dans le quartier de Myeongdong, donc vous voyez, hein. Je sais pas si vous reconnaissez, mais on est passé par là déjà. Maxime n'arrête pas de se foutre de ma gueule, c'est pas très sympa. Non, mais pas du tout. Toujours pour les fans de K-pop, on va arriver devant Hats-On, et c'est le magasin de casquettes des U1&4. On est rentré hier, c'est pas trop mal, ça va. Par contre, faites attention quand vous vous promenez dans cette rue. Tous les gens là qui vous vendent des trucs là, ils veulent vous attraper. Hier, je me suis fait attraper, ils m'ont forcé à rentrer dans le magasin, ils m'ont pris, ils m'ont mis dedans. Après, ils l'ont ligoté, ils l'ont attaché à un panneau publicitaire. Ils ont des produits très bizarres, genre de la crème à base d'escargot. Regardez, il y a des gentils petits bonhommes qui vous invitent à aller voir des cafés pour chats et chiens. C'est-il pas mignon ça? C'est Mimi, hein? Je sais pas si c'est le même gars qu'hier, mais le pauvre il doit crever de chaud. Bah là t'as vu, c'est mis en short et en t-shirt, hein. Hier il était tout en tenue complète. Ah oui, hier il faudrait la tenue complète. Bref. En tout cas faites attention à vous là-dedans, les touristes sont vite repérés. Hein. Zara. Ouh. Mais c'est nous aussi on a ça. Ah, le fameux truc à donuts. Ah ouais. Maxime, à chaque fois qu'il passe devant, il veut manger des donuts. J'allais le dire, faut qu'on y aille. Voilà, il allait dire qu'il fallait y aller. Je pense qu'il a bouffé celui-là. Lacoste. C'est marqué là-haut, Lacoste Live. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Ah, toujours des bimsou et de la viande, hein, ça. On meurt pas de faim dans ce pays, c'est sûr. De base, on n'est pas très beau avec un masque, mais alors là, vous voyez, ça fait bien peur. Il y a des masques otari, tigre, dragon, mais j'en ai vu d'autres dans d'autres endroits. Effrayant. L'ennui l'a frappé, le pauvre, il a l'air de déprimer. Personne ne veut venir le voir. Alors, ce gros bâtiment là-bas, c'est le Myeongdong Theater. Donc, si vous voulez venir voir des choses, vous savez venir. Bon Maxime, tiens absolument je vous parler de McDo. Regardez comment on se fait rouler. Regardez-le, il est en train de guérir sa proie. Dès qu'il voit un fast-food, il passe devant. Il dit non, j'aimerais bien manger là. Mais il sait que je vais pas le laisser faire. Alors en Corée, à chaque fois qu'on passe, on voit des trucs en aid là, genre mango citron aid. Mais il y a lemonade, alors je me demande si c'est pas pour... aid, je sais pas ce que c'est que le aid. Je crois que c'est avec un mélange de limonade, je suis pas sûr. Ça doit être sympathique, on va voir qu'on essaye parce que on voit ça partout. Moi je prendrais ça, moi. Cheese snowflake sugar. Gros starting. Bon, aujourd'hui c'est spécial mangue, hein. Ça tombe bien, j'aime bien ça. Mangue pomme, t'as vu? Apple mango. Regardez, c'est pas mini ça, il y a Hello Kitty, un nounours, ah il y a, comment il s'appelle, Totoro, une petite souris, et je sais pas trop quoi, un bonhomme à vivre. Et des espèces de petits photos, mignon. Des oiseaux peut-être, des petits oiseaux je pense. C'est pas mignon du tout. Comment vous donner envie d'aller dans un restaurant? Bah pas comme ça en tout cas. Quelle est cette chose verte, étrange, qui a l'air toute brillante? Je ne sais pas, une sorte de glace. Un truc, attends, il y a marqué quoi? Melon, soda,
Mousse plotte. Mousse plotte. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Bon alors, nous sommes arrivés dans le petit restaurant qui est juste à l'endroit où je vous ai montré les boissons ale. Donc on a commandé du bulgogi parce que monsieur Maxime ne va pas se passer de bulgogi ou de viande tout simplement. Et aussi deux coca. Oui, je vous montre un petit peu le cadre. Voyez. Donc on a nos deux coca qui sont arrivés. Que c'est beau, Coca-Cola. C'est joli comme ça. Donc dès que la viande arrive, alors monsieur Maxime a commencé un petit peu à piocher dans les banh-chan. Donc ses accompagnants. Là, je voudrais que je sois plus net. Donc en retour, je ne sais pas, bref. Donc là, nous avons la petite salade avec de la sauce qui doit sans doute être au sésame. Ouais. Puisque c'est noir. Le kimchi qui est absolument pas épicé. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est un peu orange plus que rouge. Ça, je présume que ce sont des aubergines. Ça, ça doit être des espèces de radis. Et puis ça, bah, c'est peut-être bien les épinards. Les pousses d'épinards. Enfin, bon, les petits bananes habituels, quoi. Maxime, donne-nous tes impressions sur ce petit... Hein ? Donne-nous tes impressions, Maxime. Le kimchi, pas très épicé. Le reste, je n'ai pas goûté. Ça, c'était bon. Maxime, et le coca est très très bon. C'est que c'est pas épicé. Parce que Maxime est une chouchoute des épices. Alors, ça y est, le bulgogi est arrivé. Ça ressemble plutôt à une soupe de bulgogi. Bon, peu importe. Et dans le petit pot, ben, il y a le riz. Moi, je peux pas. Oh, c'est du riz violet, vous voyez. Montre-le de plus près, Maxime. Parce que il est froid, je crois. Non, il est chaud. Montre-le de plus près. Je veux pas que montrer plus près. Parce que je peux zoomer, moi. Ouh, le retour du riz. C'est bien mignon de se dire. Bon, eh bien, mâchez que c'est. Voilà, en général, ce que font les Coréens, c'est qu'ils prennent une cuillère de riz et qu'ils le trempent dans la soupe, comme ça ils peuvent manger un peu de tout. Malheureusement pour moi, après le samgyeopsal de l'autre jour, non pas le samgyeopsal, qu'est-ce que ça raconte, le solongkang, pardon, de l'autre jour, ma langue est toujours brûlée. C'est franchement pas agréable de manger. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Une petite cuillère, alors une main c'est pas pratique, je vous le dis tout de suite. Je sens que c'est Maxime qui va prendre du riz dans la figure. Je vais pas y arriver. Aidez-moi Maxime, aide-moi. Hop. Là-dedans, avec la viande et tout ce que vous voulez, si vous le mangez dans votre bouche, mais là je peux pas trop faire. Bon alors Maxime fait un sacrilège, c'est qu'à chaque fois, il mange le riz avec ses baguettes, alors que les Coréens, ils sont censés le manger avec la cuillère. Parce que j'avais un bout de viande. Mais d'habitude, il n'en a pas. Il vous ment. Il vous ment. Vous pouvez voir aussi. Où est la preuve vidéo ? Les fameuses petites papates. C'est ce que j'aime bien. Les pâtes toutes transparentes qui glissent dès que vous les prenez. C'est assez compliqué à manger. Regardez-le. Admirez-le. Oh, il a réussi à m'attraper le premier coup. Bravo. Je vais le prendre en slide. Allez, mange Maxime. On t'attend. Regarde, je te montre juste que j'arrive à en prendre d'autres, regarde. C'est bien. Hop. Donc j'attends que tu fasses une bêtise. Hop. Alors, comme les Coréens ne font pas les choses à moitié, pour votre addition, ils vous l'ont aimanté là. Il y a toujours le fameux bouton, je dirais, à côté pour appeler si vous avez un souci. Vous n'allez pas le faire, bien sûr. Vous allez voir cette magnifique écriture de Corée. En haut, marqué bulgogi. En bas, cola. Bien sûr qu'ils n'ont pas encore mis le prix parce que si jamais on recommande des choses qui leur feraient très plaisir, ils rajouteraient. Donc là, on vient de finir de manger, on est sorti du restaurant et Maxime va nous guider à la cathédrale. C'est par là, je crois. Bon alors Maxime, ce fou qui n'a peur de rien, a demandé son chemin à la police. C'était des petits jeunes. Hein. Tout en coréen. Non, ça c'est pas vrai. Il a rien dit en coréen, peut-être juste merci à la fin. On a vu tout à l'heure le monsieur chat qui avait l'air désespéré, qui se promenait, il était perdu. C'est un
un chat errant. Oui, regarde, il y a le Olivier qui est là. Tu vois quoi? Olivier, nous on vient de là. Et le Olivier, il est là. En fait, nous on vient comme ça. Donc c'est un peu plus, ça va être par là. Si vous non plus, vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave. Ah, mais c'est mon ami Kim Rubino. Et oui, je ne sais pas où il est, je ne le vois pas. S'il le voit, mais on ne voit rien. Je sais, c'est ce que j'ai dit déjà. Bon bah alors voilà, la fameuse cathédrale de Myeongdong. Et donc c'est la plus connue de Corée. C'est le symbole coréen du catholicisme depuis 110 ans. Ça veut dire quoi, most iconic? C'est écrit most iconic, c'est un plan. Et Maxime me saoule. C'est la première cathédrale gothique de Corée. Donc comment reconnaître... Filme-moi, s'il te plaît. Hein. Comment le mec peut pas se passer d'être filmé? Gothique. Des cathédrales, alors je sais plus c'est quoi le nom. Et ben voilà, ça commence bien. Alors voilà. Donc gothique, maintenant, hein. Vous voyez la structure de l'entrée? Ça fait une forme comme ceci, comme une ogive. Alors que les cathédrales... attends, il y a gothique. Et avant, je sais plus c'était quoi. Oui bon, ça sert à rien. Bref, ce que tu racontes. Les autres, l'ère d'avant, c'était traditionnel. Ça faisait un rond comme ça. Alors que les nouvelles, qui sont beaucoup plus modernes, sont donc en forme d'ogive. Voilà comment reconnaître une cathédrale gothique. C'était le commentaire de Maxime qui ne peut pas s'empêcher de rajouter son grain de sel, même quand c'est moi qui dois faire. Et bien sûr, vous allez vous dire, mais comment est-ce que cette fille connaît tout ça? Elle est super intelligente, elle connaît son sujet à fond. Bah pas du tout, en fait. Je lis simplement ce qui a marqué sur mon petit guide. Là, c'est un peu flou, excusez-moi, mais... C'est plutôt pas mal d'ailleurs si vous connaissez pas du tout la Corée. Il y a à peu près en gros dans chaque quartier les choses les plus importantes à voir et un petit plan, les petites images, les horaires, les prix, donc c'est plutôt sympa. Ça doit pas être bien cher. Alors nous on l'a eu via la guest house donc on l'a pas payé, mais si vous pouvez vous le procurer, je pense que ça peut être une bonne aide. Je voulais voir sur internet. Donc il y a les cathédrales gothiques et romans. Voilà, c'était ça le nom que je cherchais, c'était roman. C'était l'ancienne architecture donc en forme complètement ronde alors que maintenant c'est forme d'ogive. Très bien, vous avez eu le droit au cours magistral de Monsieur Savary. Très beau. Bon, je vais rentrer dedans et comme c'est une église, je ne vais pas parler. J'espère que vous verrez assez. Là on va aller au... Non c'est moi qui le dis Maxime. Ah bah d'accord, bah alors pourquoi juste que je te filme parce que je peux pas me filmer moi-même en douille. Mais si, tu peux le tenir comme même ça. C'est pas pratique, je vois pas ce que je fais. C'est trop lourd à bout de bras pour moi. Maintenant on va aller au Namsan-gol Hanok Village et pour ça on va prendre le métro. Quand vous venez en Corée, vous allez voir deux têtes partout. Kim Soo-hyun et Suzy. Mais peu importe où vous allez les voir partout, partout, partout. Alors quand je vous dis que Kim Soo-hyun est de partout, le voilà encore. Petite boutique de babioles. Hein. Bon bah je voulais filmer dedans mais la dame m'a dit pas de photo et elle nous a suivi partout donc bien relou quoi. Donc on est sorti assez rapidement. Enfin, de toute façon c'est les petites conneries habituelles, hein, les porte-clés, les photos de Lidl. C'est leur connerie. Mais bon, c'est vraiment pas agréable de faire du shopping avec quelqu'un qui te colle le basque. T'as l'impression que tu es obligé d'acheter quelque chose après. Donc on est parti. Ah mais nous on a rien acheté. Voilà, non, de toute façon on va pas acheter des conneries comme ça.
Il y en a partout ailleurs. Alors, eh ben regardez, elle est là, Suzy, quand tu dis. Vous la voyez derrière? On avance un peu. Ça fait même pas 5 minutes qu'on marche, qu'on a vu déjà monsieur qui me filme partout et mademoiselle Suzy. Alors Suzy, je la vois partout, 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 tous les coins de rue. Bon là, on va rentrer dans la station de métro de Myeongdong. Ah, quoi que non, d'abord on va aller faire autre chose. Bon, finalement, on va bien dans cette station de métro parce que monsieur Maxime est un peu relou des fois. Myeongdong, et on va aller jusqu'à Chungmuro, je crois. Des petites chaussettes pour bébé, super mimi. Imaginez les petits pieds de votre bébé là-dedans. Super mimi, ça. Toujours côté chaussettes, on a les petits mignons là, en super héros. C'est vraiment des chaussettes très originales, les coréens. Très colorées. Je sais pas si moi je sortirais avec ça, mais bon, c'est marrant. Mais qui voilà devant nous? Toujours le même. Bon, si vous décidez d'aller aux toilettes à la station de Myeongdong, c'est de métro bien sûr, je vous le déconseille quand même. Ou alors prenez-vous le papier avec vous parce qu'il n'y a pas de papier dans les toilettes. Elles sont assez crates, les toilettes, assez bizarres, hein. Un peu à la turque mais façon coréenne. Et c'est pas pratique. C'est du papier, vous essuyez les mains avec, en gros, c'est tout collé sur vous, donc c'est très agréable. Donc si vous pouvez aller ailleurs, allez plutôt ailleurs. Donc là, toujours côté chaussettes, il y en a avec la langue qui sort là-haut. Et aussi en mode. Comment on peut appeler ça, la chaussette de la casquette là. Enfin, c'est le même. Ouais, on va y aller. Donc là, on est sorti à Chungro, je sais pas si vous voyez. Chungro. Et on va prendre la sortie 3. A tout de suite. Hop, Namsan-gol à notre village. Bon bah quand on sort du métro, on voit ça. Ça fait du bruit, hein, c'est pas très beau. Il y a plein de grands buildings. Bref, nous on va aller de ce côté-là. Alors nous on vient du métro là-bas, on a traversé et là il nous montre la direction, c'est tout droit là-bas, donc on va aller voir par là-bas si on tombe sur ce village. Donc ici il ne faut pas ouvrir les yeux, c'est pas toujours très bien indiqué. Bah, on va pas se nommer, alors voilà, je pense que c'est à l'entrée de cette jolie porte asiatique. Nous sommes pas les seuls coréens. Coréen. C'est pas les seuls. Bon alors là on est devant un 7-Eleven et ils ont des petites glaces avec plein de boules. J'attends Maxime qui a été chercher une boisson parce que monsieur ne peut jamais se passer de boire ou de manger. Donc je vous filmerai ce qu'il a pris. Bon le voilà revenu avec sa boisson énergisante Hot 6 Energy Drink. Ça. Les joueurs de League of Legends y reconnaîtront, il y a un tournoi Hot 6. Je crois que c'est LOL. Je suis pas sûr, c'est peut-être StarCraft. Hot 6. Et c'est acheté par Lotte qui contrôle tout apparemment dans ce pays. Ils ont des hôtels, ils ont un parc d'attractions, ils ont des boissons, ils ont tout. Ils ont tout. Le mec qui est à la tête de ça, milliardaire, c'est peut-être la première fortune. Hein. Quand tu vois que Paris Baguette il est 27ème fortune de Corée, il est milliardaire, tu dis que le mec qui a l'auteur, les gars, il est riche quoi. Très bien. Nous voilà devant l'entrée. Normalement c'est gratuit comme la plupart des choses à voir en Corée. Enfin, en tout cas tous les temples. Bon, en tout cas si c'est payant c'est vraiment pas cher. À part les parkings, mais comme on n'a pas de voiture, ça va. Ah regardez, alors là, vous pouvez aller prendre en photo avec des têtes de Coréens habillés en tenue traditionnelle. Maxime va-t-il se tromper de tête? Tu es une femme, Maxime? Il est beau le bébé. Ah. Tu t'es mis dans toutes les femmes, même pas le mec, quoi, bref. Vous voyez, une jolie tenue. Oups, une tête bio encore.
Ah, et là, le guerrier, ça change des petites demoiselles qui sont très petites d'ailleurs. Bon, là, on a le petit plan du village. Enfin, du village. Oui, enfin, oui, du village. Nous sommes ici. Bon, alors par là-haut, il y a le Seoul Millennium Time Capsule Square. Et Maxime va vous raconter la petite anecdote qui va avec. Non, 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 c'est pas une anecdote, c'est l'histoire du Time Capsule que je viens de lire derrière moi. Donc, le jour du 600e anniversaire de Séoul en tant que nouvelle capitale de la Corée, le Time Capsule a été créé. Il a été enterré le 29 novembre 1994, je crois. 94, c'est ça. Ça représente la vie et le paysage de la Corée. Donc des objets du quotidien, il y a des, je sais pas, il y a peut-être des MP3, non, ouais, non pas 94, des CD, il y a des, voilà, des habits, des vêtements, des trucs... Des habits, des vêtements, des objets, bien Maxime. Des objets de tous les jours, donc aussi des sacs à dos peut-être, des jeans, des t-shirts, etc., des téléphones, de la technologie de 94, des souhaits, réouvert le 29 novembre 2394, à 88 miles à l'heure. Très bien. Alors à chaque fois qu'on passe devant un espèce de petit étang comme ça, Maxime me sort, il y a des grenouilles. Alors c'est peut-être vrai, mais pour l'instant, on ne les voit pas. Non, il y a des poissons rouges. On dirait des trèfles un peu, ces espèces de petits nénuphars. Ils ont tous 4 feuilles, il faut en piquer un. Bon, c'est sympathique, on voit la Namsan Tower en fond. Et le petit village là-bas, ça doit être par là qu'on fait la visite, j'imagine, à moins qu'on sorte de l'autre côté. Ça se peut, c'est joli. Là, ils font un petit jeu. Ah oui, le fameux jeu difficile là où vous lancez une espèce de flèche dans les trous. Ce n'est pas simple. Ton ami va peut-être y arriver. Tricheuse, elle a pris tous les bâtons pour jouer. Alors qu'en fait, il y a plusieurs couleurs. Et donc, bah, c'est autre chose. Déjà, si elle arrive à en mettre, c'est bien. Moi je peux pas en mettre, hein. Elle en a mis un. Ah là, on a mis un qu'elle a ressorti, c'est con ça. Ah là, ça va, c'est passé. En tout cas, vous remarquerez que ta mamie est quand même meilleure que Maxime. Hein. Vous voyez, hein, il se fait prendre en photo dans les arbres, en jolie tenue. D'ailleurs, le mec n'est pas mal non plus. Hein. Alors vous voyez, même pour vous reposer là-dedans, il faut aussi enlever les chaussures. Sur le chemin, une petite galerie où il y a des photos de pierres ou quelque chose comme ça. Des pigments. Ouais, c'est des pierres. Qui forment une jolie image. Alors, par contre, ça a été écrit, ça a été fait par bob3194@daum.net. Peut-être qu'on verra mieux celle-là. Ouais, elle est un peu moins alignée. Si je fais plus près, vous pouvez voir. C'est tout composé de. Oula, des petites images comme ça. Enfin, à chaque fois, moi je zoome et je rentre dans la fenêtre, littéralement. Donc ça, c'est très bien sur le passage, hein, c'est reposant. On peut s'asseoir là-bas dans la petite cabane, je vais dire, même si ce n'est pas une cabane. Vous entendez le bruit de l'eau. Agréable, pareil de l'autre côté. Hein. On voit un gros building qui dépasse au loin, en plein milieu. Si vous avez soif sur le chemin, il y a des petites fontaines exprès. Sont un peu étranges, alors je pense que c'est un petit gel à la verticale. Est-ce que je vais me mouiller de partout, c'est possible. Wouhou ! Voilà. Bon, maintenant j'ai la main mouillée, c'est pratique. Alors je sais pas si vous voyez très bien d'ici, mais même de là, les papis coréens, quand ils font une petite pause, ils sont sur leur téléphone. Il n'y a personne qui n'utilise pas de téléphone en Corée. Je sais pas si vous pouvez entendre aussi, mais il y a des gens qui chantent là-bas, il doit y avoir une animation ou quelque chose à voir. Nous, on va continuer dans cet escalier étrange. Je suis Maxime. Tu seras mes yeux aujourd'hui, Maxime. Ouh, regarde-moi. Bonjour Maxime, on fait coucou à la caméra. T'as pas dit coucou, ça marche pas. Très bien. Bon, puis si vous êtes curieux, de toute manière, il y a des petits. Comment je peux appeler ça, des petites machines. Des bornes. Voilà, des bornes avec des explications. Et maintenant, le plus important. En anglais.
où je suis le plus curieux, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Storage items. Hein? Voilà, comme ça vous voyez bien. Voilà, donc ils ont mis des ordinateurs, ils ont mis des CD, des lecteurs CD, ils ont mis des caméras, il y a des papiers aussi, des cahiers, il y a des vêtements. Ah bah attends, c'est écrit. Ah, c'est selon les années. Vous voyez une petite frise chronologique. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, il y a des habits, de la nourriture. Ah, il y a plein de choses en fait. Hein. Bah, il faut mieux, oui. Putain, il y a tout. System of life, lifestyle. C'est une bonne idée, quoi. L'environnement, il y a des trucs de la nature, de la ville, des trafics. Genre, ils vont mettre des feuilles dedans. Électronique, il y a des trucs de, des cassettes, des caméras, des CD-ROM, des disques durs, une balance électronique. Il y a même une moto, quoi. Bon. On va la voir, cette petite capsule. Oh, il y a un discours de Chirac. Oui, c'est ça, je crois qu'on l'avait vu justement dans les vidéos de ton ami. Il va redire un discours, oh mon dieu, les pauvres. Alors attendez, là vous allez pas très bien voir comme ça, c'est-à-dire que je peux pas trop filmer à la verticale. Ouh, c'est marqué quoi ça? Je ne sais pas lire cette langue. Je sais même pas qu'est-ce que c'est comme langue. Et comment ils font pour ouvrir? Eh ben, je ne sais pas moi. Il est peut-être qu'il passe par-dessous. Alors, il y a marqué... Ah, il y a le préfet municipal. C'est où? Tout au milieu, mais vous allez pas voir, je peux pas filmer par-dessus. Il y a la San Francisco. Jacques Chirac, maire de Paris. Bon alors, attends, mais c'est tout effacé. La ville de Paris, sonore de comté Séoul. Jacques Chirac, maire de Paris. Ouh, enfin bon, maire de Paris. Il y a aussi l'Australie. Maintenant. Et là, ça doit être le Japon. Ah ben oui, sans doute. C'est ouf quand même comme projet, ça va. Ou les Chinois, peut-être, bref. Regardez, qu'est-ce qu'il a dans ses mains, le monsieur Maxime. Des mini, mini, mini pommes de pin. Bien plus gros chez nous. Bon bah moi en fait je croyais que c'était une animation, mais c'est juste des papis ou de je sais pas quel jeu qui chantent tranquillement là. C'est pas net du tout. Du tout du tout. Ça marche pas. Bah ça marche pas. Si. Non. C'est pas net. Zoom. Je zoome. Vas-y, ça la mise à point. Mais ça marche pas. Oh, c'est bête. Oui, bon, écoute, ah. Maxime, moi je suis pas une experte en caméra. Il est méchant avec moi. Hein. Bon, là, il y a des petites pancartes avec les lieux importants de Corée. Enfin, les lieux connus en gros pour le tourisme. Quand vous regardez, par exemple, le fameux palais, Maxime, est-ce que tu vas arriver à prononcer son nom cette fois-ci? Le Gyeongbokgung Palace. Gyeongbokgung, bon bref. Vous regardez, il y a une petite explication de ce que c'est. Les animations, genre la... les gardes, la relève de garde. La station de métro pour s'y rendre. Et le site internet. Donc c'est pas mal. Vous voyez à quoi là c'est. Le musée. Pas mal de petits trucs. Maxime arrête pas de se foutre de moi tout le temps. Le latte. On peut faire du vélo, la Namsan Tower bien sûr, là où est-ce qu'on essaie, ici. Il y a aussi la nourriture, je suis à peu près. Bulgogi. Bon monsieur, vous aurez compris que à part des bulgogi, il connaît rien d'autre. Voilà les petites... Samgyeopsal. Bon, en gros il connaît que la viande quoi. Bah c'est ce qu'il y avait là. Ouais. Bon là les mamies sont mortes de rire là-bas. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. D'ailleurs je fais tellement de lumière que je vois absolument rien. Bon là on va rentrer dans le petit Hanok Village.
Bon, arrête de te foutre de ma gueule, Maxime, tout le temps. Vous le voyez là, il est en train de rigoler tout le temps. On sait pas pourquoi, avec un rire pourri. Ah, le vilain Maxime. Ça me fait rire de devoir filmer, c'est tout. J'ai pas... Ça te fait rire. Bah, moi, ça me fait pas rire, tu vois. J'ai pas l'habitude. Et bah, forcément. Ah, regarde. Tu vois le grain de sable là-bas? Touché. Très intelligent, bravo Maxime. Bon. Je vais peut-être un peu mettre moins gros. Voilà, comme ça on a une vue d'ensemble. C'est beau, hein? Petite loupiote. Il y a un corbeau là. Ah bah ça, je pense que peu importe. Bon, marches, là, en fait, gaffe parce que là, si vous voyez, quand vous regardez pas où vous allez, vous prenez les pieds dedans. Je ne sais pas pourquoi les marches étaient aussi hautes à l'époque, mais c'est pas très pratique. Surtout pourquoi elles sont aussi hautes alors que les corins sont aussi petits, quoi. Bah ça, ça change pas grand chose à la limite, mais bon. Bah si. Tu fais plus petit, tu fais de l'installation de bête. Viens pas sur moi. Là, il y a le pot de chambre. Ah ah ah. Les blagues de Maxime. Ils sont toujours aussi drôles. Bon. Suivez la ligne bleue. Les rouges. Maxime, il chante la capote. Et bien sûr, comme la plupart des espaces en Corée, interdiction de fumer. Je sais pas où est-ce qu'ils peuvent fumer les Coréens, mais il y a beaucoup d'endroits dehors où ils n'ont pas le droit. Même dans les quartiers juste où il y a des shoppings ou des trucs comme ça, dehors, pas forcément un lieu historique. Souvent, c'est des espaces non fumeurs. Là, encore une fois, c'est marqué attention à la tête, Mori de fume. Et je pense qu'il faut faire aussi attention aux pieds. Donc, aïe. Attention partout en vrai. Putain, je suis fait la pancarte. Oh, comment tu oses jurer devant la caméra? Vous voyez, il y a même le coréen dans l'animation. Alors, je sais pas s'il était censé y avoir des animations. Enfin, il est censé y avoir des animations, mais je ne sais pas où. Et à cause du MERS, je sais pas si elles seront là quand même. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Sombre, mais vous voyez quand même. C'est quoi l'étiquette? Je ne sais pas. C'est pour les archives. Hop. C'est moi une grande cuisine. Tout équipé. Vous avez pas l'odeur, mais ça sent un peu étrange. Genre la nourriture, mais je ne sais pas trop quelle nourriture. Ça sent pas mauvais, mais je sais pas. Ça sent comme une épice. Ah non, attends, peut-être pas. Je pense qu'il faut rester là. Il ne faut pas rentrer dedans, vous voyez. Do not enter. Alors je sais, ça fait au moins 3 fois que je vous le dis, mais on a une super vue sur la Namsan Tower. Avec les petits toits qui dépassent devant, c'est sympathique. Admirez ce paysage, ça vous pourrez pas le voir quand vous viendrez à Corée, c'est triste. On va en voir plein, des mieux peut-être, des moins bien aussi. C'est une de ces positions pour filmer, vous pouvez pas voir, mais je pense que si vous voyez, vous serez assez mort de rire. J'ai le bras en équerre et ça fait très mal. Mais bon, je marche pas comme ça, ça c'est juste Maxime qui suit moi, comme d'hab. Bon, et ça, c'est là où Maxime va dormir ce soir. C'est une gaming house. À l'intérieur, il y a un PC et puis il joue à LOL. Bon, alors là, je vais descendre de la grande marche. Ouf! Mon dieu. Alors dedans il y a quoi? Il y a une poêle. Ouais, je sais pas si on voit grand chose. Hein. C'est noir, de toute manière vous verrez rien je pense. Une petite hutte. Voilà, si vous êtes passage, on vous punit et on vous met là. Ceci est une blague bien entendu. Toute leur gamelle à kimchi, ou à ce que vous voulez d'ailleurs. C'est transparent.
Bon, là en l'occurrence, dedans c'est de la terre. C'est plutôt de la terre ou je sais pas trop quoi. Toujours notre ami coréen depuis tout à l'heure qui doit penser que Maxime est fou. Le pauvre, je le plains. Oh, mais là-bas, il y a des gens habillés à la coréenne. C'est des herbes, du thé gratuit. On peut avoir un petit thé gratuit si on veut. Bon, moi, je suis pas une fan de thé. Maxime. L'ice tea, ouais, je veux bien. Voilà, mais bon, ça sera pas de l'ice tea en l'occurrence. Ouais, là-dedans, apparemment, ils proposent de la médecine par le... Non, attends, si. Enfin, de la médecine traditionnelle coréenne. Il y a de l'acupuncture aussi, hein. Ouais, d'accord. De la... Bon, je sais pas. Acupuncture. Voilà, je vais y arriver. Du thé, ouais. Je sais pas trop si on peut voir sur l'image qu'est-ce qu'il fait, c'est pas très parlant. Enfin, c'est pas que l'image n'est pas parlante, parce qu'il est trop sombre. Bon, je vous conseille d'être un peu musclé pour faire ça, parce que... Ou alors prenez un appareil plus petit, parce que franchement, c'est un peu douloureux. Ouais, il y a des réflexes très légers, hein. C'est pas... Oui, enfin, sauf que Maxime, il a pris le truc le plus lourd qu'il pouvait. Le plus lourd, j'ai pris le plus performant, oui, pour bon. Le prix. Tu vois la taille de mes petits bras. Plein format. Tous les Coréens me disent, mange plus, tu es trop maigre. Donc, pour que des Coréens me disent ça quand même, faut... Faut aller manger des burgers, c'est ça. Faut aller manger des burgers. Bon, là, c'est trop, c'est sombre, on voit rien, mais... De toute façon, c'est qu'une table et des chaises, hein, rien d'extraordinaire. On voit pas grand-chose. Bon. J'espère que je ne filme pas trop vite, je voudrais pas vous donner le tournis. C'est vrai que c'est pas très agréable de regarder quelque chose qui n'est pas stable. Vous aurez tous les malheurs du monde en regardant cette vidéo, je pense. Vous allez être malade, le mal de mer. C'est encore bizarre là. Trop de mer. Mais là, ça sent pas bon. Du coup, ça pue un peu. Ouais, bah ça sent le vieux kimchi pourri depuis je sais pas combien d'années. Je peux pas rentrer, c'est sombre. Vous voyez mieux là, c'est beau. Des petites tables avec des offrandes. À côté des pommes et des poires, enfin plutôt entre les pommes et les poires, c'est les petits gâteaux traditionnels coréens. Je me souviens plus du nom, les yak quelque chose, je crois. Yakgwa peut-être. Je vérifierai ça plus tard, je me souviens plus comment ça s'appelle. Parce que oui, en effet, vous voyez toutes les pommes tout à droite, des petits gâteaux, et après là, au plein milieu, le fruit qui ressemble à une pomme mais de couleur poire, c'est une poire. Parce que les poires en Corée sont rondes et énormes. Par là-bas, c'est bien mignon. Bon, je sais, j'ai beaucoup dit mignon aussi aujourd'hui. Mignon, mimi, bref. C'est un peu le pays du mignon ici, donc je suis obligée. Ça vous change du côté gamer, montre, photo. Avec moi, c'est mignon. Bon. Un tuyau, c'est la trompe d'un éléphant, vous croyez? Il est en train de se changer à l'intérieur. Il y avait un mec à l'intérieur, non? Tu attends? Chut, c'est du royal. Vous voyez, à l'époque, même les rois avaient leur petit distributeur de canettes. C'est très ancien. Les zoom. Il y avait quoi? Il y a de la boisson à la noix de coco, à la grenade peut-être bien. Bon, bref, toutes les boisons habituelles. Hein. Les boisons. Quoi? T'as dit les boisons. Les ah, boissons, t'as vu? Bon, parce que une j'ai petite dit... bouteille de Powerade. Une petite, oui, je suis en vue. Oui, non, parce qu'elles sont plus grosses en l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Coca, du Powerade. Du café, ils aiment bien le café en canette froid. Là sur le. Enfin devant le petit temple, ils font du taekwondo de temps en temps.
Bon, puis là, on va aller faire une petite pause parce que Maxime, il a l'air d'avoir faim. Regardez-le, il a trouvé les cookies. Sa petite canette, c'est un gourmand. Bon, à tout de suite. On a une pause avec des petits cookies, tout petits. Très mignon. T'es trop près. Hop. Petite canette. Et hop, on est en train de faire un CF à la coréenne. Un quoi? Un CF. Un quoi? Je fais des films, YouTube, coréenne. Bon, la pause est finie. Maintenant, on va rejoindre le métro. Et on va aller à la Korea University, mon ancienne école que je voulais voir. Je me demande si ça a un peu changé, puisque la Corée est un pays qui bouge beaucoup. Quand on part et qu'on revient, on reconnaît plus rien. Donc on va voir si je reconnais. A tout de suite. Il y a des monstres dans le métro. Oh, il y a encore cette bonne odeur de choses qui se mangent. Oh, je le vois. Le voyez-vous? Le mandu. Donc là, on est dans une partie de la fac où j'étais. C'est là où, dans ce bâtiment-là où j'avais mes cours, moi. En bas, il y a une petite cafétéria. Avec mon lumière, un petit magasin, je crois, pour une boisson comme ça. Et de ce côté-là-bas, c'est là où il y a la plus grande partie, super jolie, je vous montrerai après. Voilà, par là-bas, ça va être le chemin principal. On voit les gens qui font le parking. Moi, je passais par ce petit chemin là, qui mène là où on était tout à l'heure à l'entrée. Donc on va continuer tout droit là-bas, au milieu. Et c'est là où il y a le plus intéressant, avec une boutique de la fac, un petit restaurant. Cafétéria, quoi. Voilà, par là-bas, ça va être le chemin principal. On voit les gens qui font le parking. Moi, je passais par ce petit chemin là, qui mène là où on était tout à l'heure à l'entrée. Donc on va continuer tout droit là-bas, au milieu, et c'est là où il y a le plus intéressant, avec une boutique de la fac, un petit restaurant. Cafétéria, quoi. Donc architecture un peu au château, vous voyez. Oh, qui est beau. C'est beau. Et nous, on va aller là en dessous. C'est là où il y a les petits cafés, restaurants, et il me semble qu'il y a aussi la boutique qui vend tous les trucs, genre les vestes de la fac, enfin tout ce qu'il y a, le petit tigre dessiné dessus. Donc on va aller voir. Dans les grands couloirs, alors là je sais plus très bien où c'est. C'est que c'est assez grand, et là vous voyez les petites boutiques au fond. Salle de classe. On voit pas grand chose à travers les bandes là, mais vous voyez les tables. Vous voyez là, c'est une petite boutique avec toutes les fournitures scolaires dont vous pourriez avoir besoin pendant vos études. Cahiers, des stylos, des jouets. Alors les jouets, je sais pas pourquoi, mais c'est marrant. Ça, vous voyez, c'est un petit jeu coréen traditionnel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors vous avez même des petits correcteurs girafes. Très marrant. Il y a une nounours aussi. D'autres nounours. Je sais pas si on peut voir comme ça. Et parce que les études c'est très difficile, des gros nounours pour vous consoler si vous ratez. Là vous avez des petits pots avec des petits papiers où vous pouvez écrire des messages dessus. Des petits mémos pour s'encourager par exemple. Et là vous avez spécial anniversaire. Une ours.
télé. Voilà, là, on a un des magasins avec des articles de la fac. Vous voyez. Donc là, les habits à la coréenne. Il est trop beau, mais c'est trop cher. Je sais pas si il y a ma taille, c'est juste du large. Au moins Maxime, parce qu'elle finit seulement. Et là, ici, joli. Là, on arrive à la porte principale, le plus bel endroit de la fac, selon moi. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Hop, le bâtiment de tout à l'heure. On va aller se poser quelque part. Et puis on fera un tour. Si je me souviens où est la patinoire, peut-être qu'on passera devant, mais alors ça, je suis pas sûre que je me souvienne, mais c'est assez loin, je crois. Parce que ce campus est très 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 grand. Alors vous voyez, même les plaques d'égout, elles sont à l'effigie du tigre de l'école. Petit terrain de basket. Donc moi je passais par là tous les matins. Donc par là on sort pour arriver à la ville. On peut passer par là aussi. Hein. Ah, si j'étais resté en Corée, peut-être que je serais venu dans cette université, qui sait. Peut-être. Qui sait. Et donc on va aller à droite. Et à gauche, il me semble que c'est pour aller prendre le métro de Hanam. Et des churros. Et donc voilà, les petites rues où je me promenais tous les matins pour aller à l'école. Toujours les fameux câbles hein, là-haut, c'est pas très beau. Regarde-moi cette toile. Ouh. Alors ici, les coiffeurs, ils coiffent même les ours. Et pas les petits. Hein. Voilà, on a une espèce de petit temple. En plus, tous les petits lampions là-bas, ils sont allumés, c'est trop mimé. C'est très joli, ça brille. Et nous on va aller là-bas, tout droit, là, dans cette rue. Et par là, au niveau de la porte, c'est l'entrée pour le campus, là où il y a les dortoirs. Là je suis bien au maximum. Bon. On va franchir cette porte. Hop, l'entrée pour le dortoir. Bon alors là, là-haut, c'est une cantine. Je ne l'ai jamais essayé parce que j'avais pas de carte exprès. Là, le petit, c'est trop éclairé, là. Clairement. Ouais. Ici, le GS25 où je faisais mes petites courses quand je revenais. Et là, là-haut, là, la dernière pente, c'est le dortoir pour les filles. Donc je vais pas rentrer dedans parce que Maxime n'est pas une fille, comme vous avez pu le remarquer. Et par là-bas, c'est le dortoir des garçons, si on monte à gauche. Et il y a aussi l'endroit où j'allais téléphoner parce que c'était un grand espace aéré avec une petite vue sympathique. Donc voilà, je vous emmène là-haut. Donc le dortoir des garçons. Et le fameux espace où je venais faire du Skype. Parce que on a une petite vue sympa et que c'est assez tranquille et on peut se poser là. Bon, avant on pouvait passer par là, ça évitait de faire la montée. Et comme ça on rejoignait directement le bas. Mais malheureusement, c'est devenu dangereux et ils ont tout bloqué. Donc voilà, une petite vue un peu sympathique. Voilà, là on a fait une petite pause parce que cette montée c'était assez fatigant et on va aller chercher à manger, je ne sais pas où, hein. Soit dans le quartier, soit on va reprendre le métro et retourner à Myeongdong. On va voir ça.
Bon, c'est Maxime qui a repris la caméra. Je vais juste fumer quelques trucs. Les canettes, beaucoup trop stylées. Ok. Faudra que je goûte ces deux-là. Et regardez-moi ça. Alors, est-ce que celle-ci? Non. Regardez celle-ci. Ezreal Spider. Et là, il y a Pool Party Listen. Leasing à des familles. Gangnam Style, etc. Alors récemment, on m'a demandé comment était affectée la vie de tous les jours des Coréens par rapport aux jeux vidéo. Alors en soi, elle n'est pas affectée, parce que bon, enfin, de moi, ce que je vois, elle n'est pas affectée. Et j'ai répondu qu'il y avait beaucoup de PC Bang, vous savez, les sables de réseau. Et juste pour vous montrer, là, je suis dans une rue où il y en a pas mal, donc je vais vous montrer. Il y en a un là, à droite là. Il y en a un à gauche. Il y en a un ici. Un autre derrière moi. Un autre plus loin. Et un autre sur le trottoir d'en face. Et tout ça, c'est des salles de réseau. Où vous pouvez venir, je sais pas, il y a combien de places, 30, 40, 50 PC, je sais pas. Et vous pouvez venir commander à boire, à manger un petit peu. Et vous installer dans votre box avec vous, avec un PC qui vous est fourni. Et voilà, vous pouvez jouer pour pas très cher du tout. Bon, alors là, on est à Myeongdong, on a trouvé un petit restaurant. Ils nous fournissent le petit tablier à se mettre dessus pour pas se salir les vêtements. Et nous, on va prendre cette chose-là. C'est du poulet mariné avec du riz. Je crois qu'il y a du fromage dedans aussi. Donc voilà, quand ça arrive, ça ressemble à ça. On m'a demandé du fromage dedans. Donc c'est du riz avec du poulet, du fromage, des petits oignons là. Et puis voilà. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Regarde, le mec, il est déjà en train de boire. On en a mangé quoi? Deux fourchettes. Qu'est-ce qui est bon? Voilà. Alors là, on sort du restaurant. C'était beau. Maxime n'a pas supporté les épices. Et on a vu une espèce de cafard dégueulasse courir dans le restaurant. Et en sortant, on a vu un rat. Encore un. C'est la soirée des bestioles aujourd'hui. Ah, bah, faites attention. Bon, là on est toujours à Myeongdong. Hein. Je vais peut-être filmer un petit peu les alentours aussi. On va chercher ce que je vous ai montré tout à l'heure. La boisson là avec le Aid dedans. On va voir si on retrouve parce qu'on est dans le même coin. Bon là on va aller chercher les fameuses boissons. On a pris une au citron et une à l'orange de Jeju. Faut mélanger, puis on va goûter et on va dire c'est bon. On va faire ça dehors parce que là ils vont fermer donc on va pas les déranger. Donc on dit ça tout de suite. Bon alors concernant les boissons, on va savoir laquelle est laquelle au départ. Celle-ci au citron. Et celle au citron à notre goût est meilleure. Mais donc ça c'est chacun son goût. C'est pour ça qu'elle est plus vide. Non, c'est parce que moi je bois pas très vite. Le truc dont je vous parlais tout à l'heure, là, les espèces de patch, masques pour toute partie du corps, vous voyez. Et on a à la tête. Il y a même le petit trou pour le nombril, t'as vu? ouais, elle a des nombrils très hauts alors. Hein. Bref. Enfin, vous voyez, c'est un peu étrange. Hein. Il y en a quand même des dessins dessus sur les bras, je crois bien qu'en vrai. Voilà. Donc je vous l'avais déjà beaucoup montré aujourd'hui, mais c'est jamais assez, donc je vous la remonte une dernière fois de nuit. Très belle. Bon, je vous remontre un peu mieux les masques de tout à l'heure. Vous voyez, il y en a plein. Ça a l'air un peu con avec ça sur la tête à mon avis, mais bon, c'est marrant. Et comme un des gourmands, on a repris cette petite merveille là. Et puis de maïs. On a pris juste ça à la crème, mais de toute façon je pense que le truc allait fermer, donc nous avons arrivé et hop, on va venir acheter ça, que je me débarrasse de ce qui reste. Et... voilà, et maintenant là, il met son rideau. Là, il ferme. Il savait qu'on allait mieux acheter ça, on est rentré dans le but d'en acheter, on est tombé dessus tout de suite et on s'est pratique comme ça. Bon, et puis sinon là on va rentrer à la guest house et on se voit demain. Cette fois-ci ça sera sans doute Maxime qui fera la vidéo.
Il vous a manqué, pas vrai? Ils t'ont manqué, Maxime? Ok, bon bah, faites comme si j'avais rien dit. On vous aime, gros bisous. Et à demain. Ciao.